En septembre, nos bénévoles nous ont appelés pour nous proposer de participer à un nouveau projet avec l'association Petit Prince. Cette fois, pas question de rêve. Il s'agissait de participer à la rédaction du magazine de l'association. Assez rapidement, on a rencontré les équipes. On a fait le tour des bureaux. Et ensuite, on a réfléchi à ce projet. Ce n'était pas facile au début. En plus, c'est la première fois que des enfants réalisent le magazine de l'association. On ne savait pas trop comment faire. Mais finalement, on a eu plein d'idées. Comprendre les coulisses des rêves. Imaginer un hôpital idéal. Remercier les youtubeurs qui nous aident à passer le temps. Faire parler nos frères et sœurs. Pour ce projet, nous sommes 9. On ne se connaissait pas avant, mais on s'est tout de suite bien entendu. Peut-être parce qu'on a tous ce point commun d'être des petits princes et des petites princesses. Nous sommes revenus plusieurs fois à l'association. Pour rencontrer Domi, les bénévoles, le youtubeur Théodore. Et nous avons aussi travaillé de chez nous. Pour rédiger les articles, imaginer la mise en page, les illustrations. Ce projet, c'est le nôtre. Il nous ressemble et on espère qu'il vous plaira. En tout cas, nous, on a vécu une nouvelle expérience avec l'association. Et vraiment, c'était super chouette.